Salut à tous! La fin de l'année pointe le bout de son nez, et qui dit fin d'année, dit bilan 2021. Il y a eu énormément de lectures, et du coup on va faire le tour un peu de cet environnement, cet univers littéraire qui a été présent sur ma chaîne cette année. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tout votre soutien, pour vos commentaires, pour vos messages privés, pour vos réactions face à mes vidéos, à mes articles sur Instagram, etc. Ça me fait énormément plaisir. On est de plus en plus nombreux. C'est un truc de malade, j'en suis ravie. Donc déjà, merci à vous. Et écoutez, passez une très bonne vidéo. La première question, c'est combien de livres as-tu lu en 2021? Alors, vaste question, parce qu'en fait, mes applications ne sont pas d'accord entre elles. C'est-à-dire que des fois, les livres que je lis sont présents sur l'application et des fois, ils ne le sont pas. Et j'ai la flemme de les rajouter. Donc en fait, je n'ai pas de chiffre vraiment fixe. On est autour d'une soixantaine. Ce qui est un très bon score, mais le chômage et le Covid font que j'ai beaucoup lu cette année. Question 2, quel genre littéraire as-tu le plus lu cette année? Et je pense que personne ne sera surpris si je réponds le genre jeunesse. Voilà, c'est pas une surprise, hein, c'est pas incroyable, c'est littéralement ma chaîne en fait. Mais les classiques sont remontés dans le classement grâce à la saga Anne de Lucy Maud Montgomery, donc j'estime que c'est une petite victoire. D'ailleurs c'était un peu mon but cette année de lire plus de classiques, c'est chose faite. Question 3, tes 3 meilleures lectures de cette année. Alors j'ai eu vraiment une très bonne année niveau lecture, vraiment très très bonne. Je me suis enfin trouvée littérairement parlant et du coup ça a été compliqué d'en choisir que 3, mais j'ai réussi. Et ils sont très différents les uns des autres. Je pense qu'il était impossible de ne pas mettre Anne de Redmond, voilà, dans mon top 3, c'est pas possible. J'ai adoré cette saga, j'adore Anne Shirley, et j'adore la plume de Lucy Maud Montgomery, donc je suis tombée totalement amoureuse de cette saga, c'est logique qu'elle y soit. Ça m'a clairement réconciliée avec la littérature classique, donc dans mon top 3, il y a Anne. Je pense vous avoir assez bassinée sur Instagram avec cette lecture pour qu'elle soit dans mon top 3. Les étincelles invisibles de Elle MacNicol, c'est aux éditions L'École des loisirs, et d'ailleurs j'ai absolument pas dit la maison d'édition de Anne, mais c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Ça faisait longtemps que je cherchais un roman qui avait une héroïne autiste, et là ça a été le cas, ça a été ma sortie 2021, je l'attendais avec impatience, et je suis très contente du coup qu'il soit dans ce top 3, parce qu'il était génial, ça mélange autisme et sorcellerie, c'est super cool. Le dernier livre, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps parce que c'est une lecture qui est assez récente, c'est Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp aux éditions Nathan. C'était une lecture qui était très violente et très entraînante, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça aborde des sujets qui sont pas souvent utilisés dans la littérature jeunesse et vraiment ça a été une très bonne découverte, c'est très entraînant, ça parle d'un braquage de banque, de traumatisme, bref, j'ai adoré. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ces livres sur ma chaîne et sur mon compte Instagram et sur mon blog. Question 4, tes 3 pires lectures de l'année. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai passé une très bonne année niveau livre, et il n'y a qu'un seul livre qui m'est venu en tête dans mes pires lectures de l'année, c'est Midnight Club de Christopher Pike, et c'est aux éditions Hachette Roman. Ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, je vous en avais parlé, ça a été une lecture très longue, alors que le livre est assez court. Ça a été long dans le sens où il se passait tellement rien que je me faisais chier en fait, hein. Voilà, disons les choses concrètement, c'était voilà. J'ai pas du tout accroché, le résumé derrière il est mensonger, bref il y avait rien qui allait, c'était une catastrophe. Je ne vous incite absolument pas à acheter ce livre, mais alors pas du tout. Question 5, c'est la bonne surprise de l'année, et écoutez, il y a un livre qui m'est apparu en tête immédiatement en lisant cette question, Lion de Sarah Brierley aux éditions City. J'ai toujours détesté les biographies, je trouve toujours qu'il y a des longueurs, qu'il y a des moments chiants. Bref, je suis vraiment pas fan de ce genre littéraire, vraiment pas. Et là, Lion m'a réconciliée avec les biographies. La plume de Sarah Brierley, elle est énergique, elle est envoûtante, vraiment, son histoire est incroyable, elle est palpitante, elle est très triste aussi. Et bah, elle est joyeuse de temps en temps, mais voilà, il a eu une vie vraiment pas facile et son histoire est incroyable, lisez ce livre. Question 6, la déception. J'avoue que cette déception, elle m'a vraiment fait très mal au cœur, parce que j'adore la série Netflix et je me suis dit « Waouh, le livre va être génial !» C'est un échec. Orange is the New Black de Piper Kerman, c'est aux éditions Pocket je pense. Oui, Pocket. Non, ça a pas collé, ça a pas collé du tout. Pourtant, voilà, j'avais espoir, hein, vraiment, puis non.
La série Netflix est bien plus passionnante que ce livre. Hein. Mais voilà, c'est une biographie, c'est pas mon genre littéraire. Si Saru Brierly, lui, m'a permis voilà, d'apprécier ce genre, Orange is the New Black, ça n'a pas été le cas. Je me suis ennuyée. Voilà, c'est une biographie, hein. La vie d'une personne n'est pas toujours faite d'aventures, mais il y a eu beaucoup de longueurs, quoi. Et ne parlons même pas de la construction, qui était vraiment brouillon. Question 7, le premier et le dernier livre que tu as lu cette année. Alors le premier livre, c'est un classique de la littérature adolescente, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, et j'avoue que je crois que c'est France Loisirs, mais je n'en suis pas sûre. Oui, France Loisirs, voilà. Ça a été ma première lecture 2021. Ça traite du suicide et de la dépression chez l'adolescent, donc pas très joyeux, mais moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous en avais parlé, j'avais beaucoup apprécié la plume de l'autrice. Donc voilà, ça c'est ma première lecture. Mais ma dernière lecture est tout aussi joyeuse. Je suis actuellement en train de lire un livre que j'aurai probablement terminé le 31 décembre, c'est pour ça que je vous le présente, mais je n'ai pas terminé de le lire. C'est Dévisagé de Erin Stewart, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse si je ne me trompe pas. Pour le moment, ce que j'ai à en dire, c'est une lecture très complexe émotionnellement. Elle fait mal au cœur. Cette lecture, elle fait vraiment très très mal au cœur. Je pense qu'elle va être assez dure à lire. Pas parce que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est très intéressant. Mais c'est juste, émotionnellement, ça va être dur. C'est l'histoire d'une adolescente grande brûlée. Voilà, c'est la grande ligne. Donc encore une fois, une lecture qui est très complexe, comme Tous nos jours parfaits, hein, mais qui est très intéressante, vraiment. Après moi j'aime les lectures qui traitent de sujets sensibles parce que je trouve que c'est bien que chacun et chacune ait un héros ou une héroïne à qui se raccrocher, et c'est vrai que je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, les héroïnes ou les héros, d'ailleurs c'est les héroïnes, pourquoi j'ai dit les héroïnes ou les héros qui sont grand brûlés. Question 8, le tout dernier livre arrivé dans ta palle cette année. Comme j'ai eu l'occasion d'aller au salon du livre de Montreuil, il y a 3 livres qui sont rentrés en même temps dans ma palle et qui sont les derniers que j'ai achetés. Le premier, c'est tout simplement le tome 2 de Néo. Voilà, j'avais le tome 1, maintenant j'ai le tome 2. Je pense que l'an prochain, je vous parlerai de ces livres de Michel Bussy qui sont aux éditions Pocket Jeunesse. Mais voilà, c'est une petite saga qui me tentait bien. J'avais le tome 1, je me suis dit, allez, go pour le tome 2. Et puis ça m'a permis de rencontrer Michel Bussy qui est quelqu'un de très très gentil. L'autre livre, c'est Enquête d'un grand peut-être, c'est de Tom et Nathan Lévesque. Je vous en ai parlé bah, la semaine dernière, je crois. Donc du coup, vous en savez un peu, c'est un guide sur la littérature adolescente qui est passionnant. Et vraiment, je suis très contente de cet achat. C'est aux éditions du Grand Peut-être. Et enfin, le dernier livre, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est de Nine Gorman et Marie Alino. Et c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, il me tentait. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Ça sera ton premier livre de Nine. Tente le coup. Ça a l'air super, donc voilà. Question 9. Un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lectrice cette année. J'avoue que c'est ma découverte des romans graphiques. C'est mon amie Gladys qui m'a, comment dirais-je, donné un petit coup de pied au derrière en me disant « Laura, faut que tu lises Heartstopper d'Alice Osman » et j'avais beau lui dire « Non, vraiment, je le sens pas ». Elle m'a forcé et elle a eu raison parce que c'était vraiment, vraiment très très chouette et je me suis découvert un amour pour les romans graphiques. J'apprécie vraiment. Ça a été ma grosse surprise de cette année. Je ne m'attendais pas à aimer ce style et finalement, c'est un nouveau monde littéraire qui s'offre à moi. Question 10, quelle est ta première lecture pour attaquer la nouvelle année? Je ne sais pas, parce que je lis au feeling. Voilà, donc je vais vous dire quelque chose, et ça sera probablement pas ça. Mais du coup, en ce moment, Franklin Love de David Yoon me tente plutôt pas mal. Il y a aussi Paris pour percer qu'il faut que je lise. Et il y a aussi le Miss Peregrine, le tome 2, qui me tente vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est complexe, c'est plein d'univers différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, je lis au feeling. Je ne peux pas vous dire quel livre je lirai à l'avance, c'est impossible. Mais après, je pense qu'après Dévisager, il me faut une lecture douce. Parce que là, mes nerfs seront sûrement mis à rude épreuve. Tout comme mon mental d'ailleurs. Question 11. Le roman que tu attends le plus pour l'année à venir? Alors là, je vous ai fait une liste. Parce qu'il n'y a pas un roman que j'attends le plus. En fait, il y a des romans que j'attends. Et j'ai littéralement fait une liste hier soir des romans qui vont sortir l'an prochain. Et que vous pouvez être sûr que je vais acheter. Déjà, première chose, j'ai précommandé le tome 4 de la saga Anne de Lucy Maud Montgomery, qui est aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui a l'air incroyable, et qui sort mi-janvier, il me semble.
Il y a Plus heureux que jamais de Adam Silvera qui sort le 17 février 2022. Vous connaissez mon amour d'Adam Silvera, il est hors de question que je laisse un seul Adam Silvera ne pas finir dans cette bibliothèque. Il y a aussi le tome 2 de Elle, la bande dessinée que j'avais adorée de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Je l'avais trouvé génial, donc le tome 2 est dans ma liste. Il y a aussi Lucky List de Raquel Lippincott qui sort le 10 mars 2022. Celui-là, je l'aurai le 10 mars, vous m'entendez? J'aime tellement le travail de Raquel Lippincott qu'il est hors de question que je ne l'ai pas à sa sortie. Vous m'entendez bien? Nous avons également Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. J'adore Nicolas Yoon, donc il est évident que je vais commander ce livre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dernier Angie Thomas qui sort mi-janvier aussi. Concrète Rose qui raconte l'histoire du père de Star qui est l'héroïne de son roman The Hate U Give. Ça fait beaucoup de sorties mais là je suis prête. Hein. C'est-à-dire que toutes mes autrices et mes auteurs préférés ont décidé de sortir leurs livres en français en 2022 et je serai là. Et enfin la dernière question, question 12. As-tu pris de nouvelles résolutions pour l'année à venir dans ta vie de lectrice ou des choses que tu ne veux plus? Et j'avoue que je me donne un petit challenge d'habitude en début d'année 2022. Et là, je n'ai pour le moment aucune idée de challenge 2022, donc je vous propose un truc. Si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire. Je vais aussi essayer de vaincre ma timidité et de faire plus d'interviews, parce que je trouve ça vraiment chouette. Et si vous ne trouvez pas mes interviews sur la chaîne YouTube, c'est normal, elles sont sur le blog. Il faut aller se déplacer vers mon blog, le lien est dans ma bio. C'est donc ici que se termine ce bilan de l'année 2021. Je trouve qu'il a été quand même assez rempli. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Encore merci pour tout. Vraiment, votre soutien me touche énormément. On est de plus en plus nombreux. C'est incroyable. Merci beaucoup. Je ne sais quoi dire. J'avoue que je n'ai point les mots. J'espère que l'année 2022 sera aussi cool niveau lecture. Parce que vraiment, là, cette année, c'était une très bonne année. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis. À vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !